Comment construire une sculpture a été, je dis dans ma tête, il faut qu'on soit quatre. Il faut qu'il y ait l'animalier, celui qui a de la connaissance de l'animal, où il vit, ses conditions de survie, tout ça. Et puis, il faut l'anatomiste. L'anatomiste, c'est celui qui va comprendre comment se construit l'animal. Avec certains animaux qui ont des formes apparemment informes, si on ne connaît pas le squelette en dessous, c'est très difficile de construire une sculpture qui soit ronde, mais qui ne soit pas molle. Le sculpteur, lui, va apporter le modelé, la forme, et le dessinateur va apporter l'esprit. Comment ne pas nous interroger sur la vulnérabilité de ces géants, de ces colosses des glaces, que ce soit l'ours blanc au pôle Nord ou bien le manchot empereur sur le grand continent blanc? Tous les deux souffrent du changement climatique, de la pression que l'homme fait subir à ses espèces et à ses animaux. Et c'est donc une exposition qui apporte du bonheur, qui apporte du plaisir, mais qui nous fait également réfléchir. Et je suis très heureux de l'accueillir au Musée océanographique. Thank you.